Des hommes lourdement armés ont vendredi dans le nord du Mexique attaqué et volé une ambulance pour délivrer un criminel qui s'y trouvait. Il avait été blessé. Le convoi était escorté par l'armée. 6 soldats ont été tués et une dizaine blessés dans ce guet-apens manifestement très bien préparé. On ignore encore l'identité de l'homme que le gang est venu récupérer en employant une méthode aussi radicale. On sait juste que l'opération s'est déroulée non loin du fief du cartel de Sinaloa, du baron de la drogue Joaquin El Chapo Guzman, en prison depuis janvier, et qui est en passe d'être extradé vers les États-Unis. Malgré le fort taux de criminalité au Mexique, les accrochages entre l'armée et les gangs criminels sont relativement rares.